Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage! Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transportiver. Aujourd'hui, on va commencer par faire des petites améliorations, donc on va mettre un peu le temps en pause. On va détruire ça. Parce que ça, c'est pas optimum en fait. On n'a pas assez de. On n'a pas encore assez de charbon qui arrive là. Malheureusement. Donc on va optimiser en mettant un deuxième train. Alors, sur une voie à 30. Comme sur l'autre. Clac. On va faire une portion un peu plus longue qu'avant. À 4 voies. Enfin, ce sera une portion à quatre voies du coup. Alors, clac. Clac, ça en supprime. Et donc, du coup, l'idée, ça va être que toi, tu vas aller t'en brancher là-bas. Si t'as pas un pot. Si, là, elle a un poteau de caténaire au milieu. Donc, bah, tu vas juste t'en brancher là, du coup. Et ensuite, à partir de là, clac, on fait une deuxième voie qui va allonger tout ça. Et qui va venir là. Est-ce qu'elle est assez longue? Je pense que oui. Donc on va pouvoir le mettre là. Donc l'idée après, c'est. Du coup, un signal ici et un signal ici. Celui-là, on va le supprimer parce que sinon, ça va faire chier. Du coup, on remet une voie ici. Alors, clac. Traverser ici. Et donc, du coup, un carré. Ici et un carré ici. On va aller faire la même chose du coup de là-bas. Sauf que là on va être un peu moins emmerdé pour le faire. On va faire une voie au départ d'ici. On va juste supprimer ce carré-là. Clac. Une deuxième voie pour aller plus loin. Et là, on s'en branche. Ok. Juste avant l'entrée de la gare, c'est parfait. Du coup, on met un signal ici. Oh, j'ai mis un carré, bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc du coup, bon, on va mettre un carré aussi. Hop. Et hop. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est mettre un deuxième train. Voilà. On peut mettre le temps en marche. Et donc, ça devrait être bon. Notre ligne. Ici, ça fonctionne plutôt pas mal, je trouve. Voilà, il y a un peu de production là. Là, ils ont encore du pétrole, donc ils vont le produire. Ils ont encore du pétrole brut. Ici, ça produit toujours autant. Alors, c'est toujours plein, en fait. Il y a toujours trop de production de pétrole brut. Et au niveau du pétrole raffiné, bah, on a 47. Mais à chaque fois qu'il y a un train qui arrive, il en ramène. Du coup, je me pose la question de savoir est-ce que je fais vraiment l'idée que j'ai eue tout à l'heure. Sachant qu'ici, du coup, ça produit plus beaucoup parce que, bah, ils produisent moins parce que, ils voient qu'il y a moins de demande.
Donc je pense qu'on va quand même faire le truc que j'avais comme idée tout à l'heure. Pour amener encore plus de pétrole raffiné ici. Enfin, pour amener encore plus de pétrole brut. Donc, configurer. Sachant que d'ici, normalement, il y aura aussi encore une voie voyageur qui part de là. Donc, on va voir comment on va configurer, mais il faut y penser. Clac, 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 clac. Et vu que c'est une voie au départ d'ici, donc on va laisser comme ça. Clac, clac. Et on va mettre, du coup, voie marchandise. Donc, marchandise, c'est là. Clac, 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 et clac. Un bâtiment. Et du coup, on va mettre... une rue. Hop. C'est en rue, voilà. On va partir d'ici. Clac. On va aller rejoindre la route qui est là. La rue qui est là. Et donc maintenant l'idée, on va remettre le temps en pause. J'ai appuyé sur ça, mais j'ai pas mis le temps en pause. Alors on resupprime la voie que j'avais fait pour éviter, mais vous inquiétez pas, elle va être faite. Et en vrai, ouais, non, en fait, j'aurais carrément pu la garder. Je suis bête. 120. Voie 120. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi faire. Oh, en fait, j'aurais dû la garder. C'est pas grave. Parce que là, l'idée, ça va être... Comment je peux faire? On va faire ça. On va refaire la voie, du coup. En fait. Elle va même être un peu plus longue, je pense. Quitte à supprimer ce signal là aussi. Hop. C'est des gros travaux là. Ensuite, on va mettre ces deux voies là qui vont aller se coller à celle là. Donc, la grosse portion ici. Alors, pas comme ça. Hop. Clac. Donc, comme ça, on a celle-là qui va aller tout droit ici. Ah, je peux pas aller tout droit. Bah au pire non, bon, on va faire ça. Clac. Toi tu vas venir t'embrancher sur celle là et toi tu vas aller là. Et ensuite bah tout ça va s'embrancher ici. Ok. L'autre ligne partira du coup d'ici. Et bah, de toute façon elle pourra traverser la gare pour aller s'il y a besoin d'aller plus loin quoi. Mais normalement pas forcément. Il n'y aura pas vraiment besoin. Du coup là l'idée maintenant ça va être de faire
une voie dans ce sens-là, un croisement dans ce sens-là, et un croisement dans l'autre sens. Construction impossible. Puis elles ont été obligées de faire un truc comme ça, quoi. Bon bah tant pis. 55. Du coup, on va remettre les signaux. Alors on va mettre des carrés partout. Donc on va mettre un carré là-dessus. On remet un carré là. Ici on remet. On va. Dans un souci de. De correspondance, on va remettre ça. On va mettre un carré à l'entrée là. On va mettre un carré ici. Ah, attends. Mince, par contre, je crois que j'ai fait une bêtise là. Ah bah oui, je suis con. Non, ça fonctionne pas mon truc. Sauf si je mets une TJD ici. Ouais, non. Mon truc, ça va pas. Après, on peut, au pire, faire... c'est pas là, c'est là. Dans rail, clac. Bah, on peut quand même s'en brancher dessus. Mais en mettant quand même une aiguille qui part sur celle-là qui est vraiment le bon, quoi. Qui est vraiment la voie où on doit aller. Et donc, du coup, là, on peut mettre effectivement un signal. Donc là, ça serait une voie un peu banalisée, quoi. Donc là, ça serait une voie banalisée. Ouais, ça fait une voie banalisée. Quoique, bah non. Non, on va supprimer le signal qui est dans le mauvais sens. Hop. Bah du coup, ouais, non, on n'a pas besoin de signal ici. Je suis bête. Alors, du coup, où est-ce qu'on a besoin d'un signal? On en a besoin d'un ici. Pour rentrer sur la voie qui est ici. Donc, effectivement, ici, là. Ah. Hop. Et après, bah, c'est des... Et bah, après, un, là, du coup. Bah, non, là, c'est pas un carré, c'est juste un CMAF. Ah merde, je mets les mauvais depuis le début. Depuis tout à l'heure, je mets les mauvais. C'est ça qu'il me faut, moi. Ah, je suis bête. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, du coup, ça, c'est bon. On va pouvoir mettre... On va mettre un là, un dépôt là, ce sera juste pour... Ben non, ce sera un dépôt... Ouais, ben en fait, les deux vont servir, quoique non. Ben si, parce que ça se trouve, ils vont embarquer aussi des... Ça se trouve, ils vont prendre aussi du carburant, on va voir. Donc, nouvelle ligne. Donc, un qui part d'ici... Et qui va ici. Donc c'est C camion C pétrole brut. Comment ça s'appelle? On va mettre Jean-Lys.
Ok. Nouvelle ligne. Et départ d'ici. Arriver. Ah ouais, il faudra un troisième quai en fait ici. Il faudra un troisième quai parce que là, je suis en train de me dire que on va manquer un peu. Alors, c'est pas grave, on va faire. Ah, par contre, je sais pas comment je vais placer un troisième quai avec le peu d'espace qui me reste. Oh bah si, je sais. Alors, 4 rails. Clac. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté, donc on va juste faire ça, rail, clac. On va mettre des rails à 30, parce que là, l'aiguille va être un peu complexe. On n'a pas besoin d'aller de l'autre côté, donc autant aller s'en brancher directement sur celle-là. Au pire, on peut même... Ouais, non, on va pas aller jusqu'au bout. On va venir s'en brancher ici. Bon, en fait, ce signal-là, il faudra aller faire sauter pour l'instant. On verra si on en remet. Hop. Voilà. Une TJD ici, oui. Et du coup, rail... Hop. On va mettre cela. Donc on va en mettre un ici. Un ici. Et un ici. Ok. On est bon. On va pouvoir continuer à faire notre ligne. Donc ajouter. Voilà. Et donc ça c'est... pétrole brut. Brut. Jean-Lys. Ok. On va mettre un dépôt ici. Dépôt de train. Bâtiment. Ici, clac. On va tourner pour le mettre. Hop, acheter véhicule, vapeur, on va mettre celle-là cette fois-ci, alors clac, et on va mettre des marchandises. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour 160 mètres. Je pense que les gares font 160 mètres, j'espère. Donc, acheter, ça fait 144 de capacité. Et on va aller sur la ligne de pétrole brut Jean-Lys. Voilà. Et du coup, on va acheter aussi des camions avant de... lâcher tout le monde. On va mettre cela. On va en mettre 15. Non, 10. Allez, 10 pour l'instant. Et aller sur... ouais, c'est celle-là. C'est pétrole brut Jean-Lys. Clac. On va rallumer le temps. On va mettre le temps x3. Bon, pour l'instant, ça ne produit pas. Pour l'instant, ça ne produit pas, alors que ça devrait. C'est une tentative, on essaye un truc. Oui, ça y est, ça commence. Ils produisent, cool. Hop. Lui passe devant.
Si ça permet d'amener un peu plus, ce sera mieux. Ce sera cool. Parce que là, par exemple, lui, il repart avec combien? Il repart qu'avec 68. Donc, en fait, l'idée, ce serait d'amener plus de carburant et... Ah, une nouvelle lock, d'accord, cool. Et un avion. Ouais, j'ai pas encore fait d'avion. On n'a pas encore fait d'avion sur le let's play, donc... à voir. En fait, il y a toujours un peu de pétrole, mais... J'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus quand même, quoi. Et après, de toute façon, on va augmenter aussi la production ici. Ah, ici, ça dessert bien, donc c'est cool. Là, ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va, franchement, ça va. 10, 59, et... Ouais. Bah, justement, c'est celui qu'on a le plus qui est en train de... Qui est en train de charger. Deauville doit en avoir un petit peu. Deauville en a 32 sur 149. Et ici, ils en ont 27 sur 156. Bon, ça monte petit à petit. Ça va augmenter au fur et à mesure. Et là, je me fais pas trop de soucis. Alors que je pense que dans le prochain épisode, on va aller vers... On va aller faire notre ligne jusque là. Ouais, pour l'instant, notre solution n'a pas l'air de trop l'enchanter. Il n'y a que 22. Mais ça devrait le faire, ça va aller. Ouais, j'ai vraiment pas envie de la passer à deux voies parce que sinon ça va être moche. J'aime bien là, ça me fait penser au début de la ligne. L'ancienne ligne qui faisait Serqueux, Charleville. Comment ça s'appelle l'autre? Charleval. Serqueux Charleval pour ceux qui connaissent. Quand au début de la ligne, il y a, du côté de Charleval, il y a un pont juste après l'embranchement. C'est assez joli d'ailleurs. Bon, il est beaucoup moins long que ça, mais moi j'aime bien. Alors, 314. Putain, c'est de la folie là. Ouais, quand on va commencer à avoir des trucs bien... Avec plus de capacité, il faudra en profiter. Hein. Ouais, ça produit quand même, ça va. Honnêtement, ça manque. Alors qu'on est en 1944, le 12 mars. On va bientôt arriver au début de la libération. Alors, le débarquement. Le débarquement de Normandie. Sur les magnifiques plages de Normandie, enfin de basse Normandie là, pour l'occasion. Ah, il n'y a plus rien, ils ont plus, voilà, ils ont plus de stock là, donc ça serait bien d'en amener encore plus quoi. Mais pour en amener plus, bah, il faut plus de pétrole. Donc lui, il est parti avec 35 sur 144, ouais, je pense que j'en ai mis un peu beaucoup quand même des wagons. Mais bon. Ça va se faire au fur et à mesure, je pense. On est quand même à 24 millions de bénéfices pour l'instant, donc c'est peut-être pas mal. Alors que Jean-Lys, c'est grandi bien aussi. Par contre, Jean-Lys, ouais, il va falloir la desservir au bout d'un moment, donc je pense qu'il faudra encore agrandir ici. Encore agrandir, il lui faut des biens de conso. Ah bah biens de conso, faut les faire venir d'ici. Hein. Biens de conso, faut les faire venir d'ici. Là il y en a 58 pour Wallpy. Et ouais, parce qu'il n'y a pas plus proche. On est d'accord, il n'y a pas plus proche. Ouais, non, il n'y a pas plus proche, donc ouais, faut les faire venir de là-bas. Ah, Wallpy, mais c'est en train de devenir 717. Ils vont se tirer à la bourre avec Istres. Oui, c'est là, Istres, qui est à 957. C'est de la folie. Cette ville, c'est de la folie. Ça a l'air d'aller. Ah, cette ville, oh punaise, oh,
Ah bah avec deux trains qui desservent ici, ça n'arrête pas quoi. Il y a toujours de quoi faire quoi. On va essayer d'aller jusqu'à juin, donc en mai c'est cool. On va aller jusqu'au 6 et puis après on va se quitter. Non mais là, ouais. Non mais voilà quoi. Ouais, cette ligne là va falloir. Dès qu'on aura des trains plus capacitaires, on s'en occupera. Ah, c'est pas mal. Ah oui, ça y est, ça est en train de commencer à se bien se charger là. C'est plutôt cool. De toute façon, 2 juin, 3. On va mettre en pause au moment du 4. Du 6 plutôt. 6 juin, voilà. On est le 6 juin 1944. Et puis bah, du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Sur cette date historique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à les faire sur YouTube ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et ça rapporte quelques centimes. Et si vous voulez carrément me faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.